arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Les gars, plaisir, c'est pour le coup une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation de deck. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à un pouce bleu, car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc merci vraiment de ceux qui font, et d'ailleurs merci pour les gens qui s'abonnent, car en ce moment vous êtes assez chaud. Alors ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo. D'ailleurs je m'en excuse, hein, c'est juste que vraiment en ce moment le jeu me casse les couilles. Mais là c'est bon, ça revient, c'est tranquille. Bah oui, faut peut-être que je prenne mon deck. Bah c'est un deck ballon gel. Petit deck ballon gel. Alors j'espère que c'est pas le vrai Henrik, parce que le vrai Henrik est vraiment chaud sa mère, donc voilà. Ok, on va commencer par un petit bûcheron ballon. Ah, ça c'est chiant ça. C'est chiant ça. Ok, parfait. Non, je pense pas que c'est le vrai. Ça m'étonnerait fortement parce que le mec s'est éclaté au sol. Ok, on va faire comme ça. Je fais de la merde, hein. Ok, attendez. Je vais me concentrer deux petites secondes là. Bref, du coup, le deck qu'on voit, c'est un petit bûcheron ballon qui est vraiment vraiment fort. En général. Bon, lui, il commence à me péter les couilles avec son push à M2. Là. Après, je pense que c'est juste de overcycler parce que le mec il stick trop vite là. J'arrive pas à m'installer. Oh, il a ça aussi. Ok. Ouais, j'essaie de mettre ça comme ça. Ok, on va gérer clairement là. Ah, c'est trop chiant de sa fournaise. Ok, mettre un petit bûcheron ballon. Hop, on va mettre une petite pression, nous aussi quand même, faut pas déconner. Ok, là on a la tornade. Hop, qu'on va les mettre tout de suite pour pas prendre de coups. On peut mettre notre dessus évidemment, parce que là si on met notre dessus, ça va être juste catastrophique parce que... Ah, le frérot en face il a un chef squelette. Ok. Donc j'ai leur cycle encore. Ah, son deck est vraiment casse-couille par contre. Ouais, son deck est vraiment casse-couille. Il est full swap en fait, c'est genre insupportable. Arrête-toi Johnny. Vous êtes au courant que là s'il faisait son combo ça là, bien timé avec le ballon, j'étais dans une sacrée sauce hein. Ok, attendez. Hop. Oh, je recycle. Ouais, c'est, je vais pas le mettre en boulisse parce que le problème c'est que... Voilà, elle va partir MK au pont. Ah non, ça. Heureusement, parce que sinon... Ça va très vite vite la sauce. Il a pas compris que j'avais un des deux, je crois. Hop. On voit que le deck est quand même très très fort. Défensivement, il est très très fort. Hein. Hop. Ouais, le mec, il a un souci avec... Non, non. Ça passera pas. Bon bref, vous voyez que le deck est quand même extrêmement fort, malgré que je suis loin de très loin d'être un joueur ballon. Il est super fort, donc je vais vous montrer ici quand même, parce que bon... Voilà, c'est un petit deck bûcheron ballon qui est vraiment super fort. Il est très fort offensivement, offensivement, bûcheron ballon très chiant à défendre. Allez, c'est pas du coup de patron, j'espère que c'est pas le vrai encore une fois, parce que si c'est le vrai, le mec il est un top 10 monde, donc chiant. Ok, bon, on va mettre un petit peu en fond de map pour voir un petit peu comment il réagit. Ah, il me fait peur parce qu'il a l'air de savoir jouer. Ok, on va mettre un petit bébé drag. Ok. Donc, moi j'ai ce qu'il faut pour la défendre. Enfin, pour l'offensive. Merde. Bon, ok. Donc, c'est du bridge map. Le problème, c'est que le mec joue approximativement bien. Misclick, je vais mettre ça. J'ai loin de mon tamboulis. Je vais mettre un gel. Bon, c'est pas grave. Ok. Ouais, chiant ça. Ce qu'il vient de faire, c'est très chiant. Ok, parfait. Il y a un bébé dragon. En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est tout le temps garder
Onglis pour le... Comment ça s'appelle? Le Kala, mais je peux pas, c'est... Il spam. Principe d'avril, spam, quoi. Bien vu. Yes. Allez, let's go. Ok, là, c'est déjà la sauce pour lui. On peut gel, un bon petit gel, là. Ok, on va aller prendre cette tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, là, c'est la sauce. J'ai mis slick. Je vais pas mettre ça. Wow. Tornade, là, pour pas prendre de coups. Petit gel, parce qu'il spam. Bah, tu te calmes. Ok, j'ai panique, là, avec le fût. Il est vrai que... Bon, voilà, la voleuse, elle redash pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a transpam tarifou. Et j'arrive pas à défendre. Enfin, je galère un petit peu, mais ça va. Ok, là, il est con. Il met son cava dans le... Dans le bouliste. Tant mieux. Ok, là, il se perd complètement débilement, là. Transpam est catastrophique. Ok, là, on va être un bon gel. Un bon ballon. Des bullets pour tanker au middle, peut-être. On va avec le deck qui est genre vraiment super fort. Donc d'ailleurs les gars, vous allez voir que je présente qu'un deck et je vais mettre quand même le top 3 dans le titre parce que je vous attends un nouveau format, vous me dites si ça vous plaît. En gros j'ai présenté 3 decks mais dans 3 vidéos différentes de genre de 3 games. Donc j'espère que vous kiffez, donc les vidéos vont être assez courtes, genre 9 à 10 minutes en général. Et voilà. C'est juste pour vous dire ça. Hop, allez, petite dernière game de la vidéo les gars. Donc Karmamota, c'est Tipper. Ok, bon, allez, on s'installe Bully sur le map tranquillement. Vous savez qu'il faut s'installer, hein. Même si on a bûché le ballon, on s'installe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, un joueur N2. Très bien, ah. Très chiant ça. J'ai raté ma tornade en plus. Ah non, c'est... Oh, la tornade est incroyable, hein. Bon, du coup, on va avoir un double Bully sur le terrain. Oh, tu vas pas faire deux fois la même et tu viens de défendre ton push. Non mais... Alors lui... C'est le boss, lui. Hein. Lui, c'est boss final, les gars. Ok, bon, là, go push avec le petit... le bûcheron. Et bah, qui a tour du roi, ça. Ok, parfait. Mettre le petit... Hop, petit fureur bar. Le gel. La boule qui va être parfait, aligné. On va pas prendre de coups. On va sûrement, quasiment prendre la tour. Arrête avec ton push à N2 là. Ça sera pas. Ah, ça c'est déjà chiant ça. Il est pas mis un coup encore. Hein. Il met un coup de cochon au tout départ, mais c'est tout. Ah, là c'est un mousquetaire qui peut être relou là. Donc ce tap peut très vite être lourd. Ok, on a réussi à tout attirer. Là, on a un bon gel. On va mettre le bouliste. Hop, pour que le mousquetaire focus le bouliste. Parfait. On va assumer le coup de cochon. Ah, bah, par contre, coup de cochon, ça c'est parfait alors. On a compris qu'avec le mousquetaire, ça marche. Je galère à défendre. Ça marche une fois, frérot, mais pas deux. Ah, bon. D'accord. Bah, il y a une troupe qui a décidé de se barrer. Ah, ça c'est chiant. Je suis une IPK là. Ok, bon là faut plus prendre de coups, faut que j'essaie de bien défendre. En fait c'est super vite, c'est genre super chiant. Je vais mettre un cochon là. Le sick. Merde. J'ai tiré le cochon dans le... Voilà, par contre, c'est bon, tu sais quoi? Je pense... Voilà, je vais quand même défendre, mais... Faut que je push, parce que le problème, c'est que si je push pas, il va faire que full spam toute la game, et je vais me faire détruire. Et on va faire croire... Non. Ok, c'est bon. Waouh, pas facile, hein. Cette game, pas évident, lui, quand il est full spam. Pas évident. Ok, bah parfait.
Bon, en tout cas, les gars, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo assez courte, mais voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon clan, les gars, pour tous les vrais. N'hésitez pas à commenter. Pour tous ceux qui sont là, pour tous les vrais, ce que je voulais dire. N'hésitez pas à commenter hashtag bûcheronballon. Et puis, merci à tous. C'est vrai coup. Ciao, ciao.